Mesdames et Messieurs les maires adjoints, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux et Mesdames et Messieurs qui nous font l'honneur et la sympathie de nous regarder en direct, j'ouvre ce conseil municipal en demandant tout d'abord à Émilie Desmoulins de bien vouloir procéder à l'appel. Merci Monsieur le maire, bonjour à tous. Arnaud Murgia. Présent. Richard Newsbaum. Présent. Catherine Valdener. Éric Fétieux. Présent. Annie Assier-Conversé. Présent. Christian Julien. Présent. Jean-Marc Caponi est excusé et a donné pouvoir à Richard Newsbaum. Elisa Faure est excusée et a donné pouvoir à Éric Fétieux. André Martin. Présent. Claire Barnéou. Présent. Michel Stripnikov est excusé et a donné pouvoir à Maud Gadet. Patrick Michel. Présent. Corinne Aschettino. Présent. Christian Ferru. Présent. Corinne Forbrack est absente et a donné pouvoir à Claire Barnéou. René Michel. Présent. Christophe Ossier est absent et a donné pouvoir à René Michel. Stéphane Simon. Présent. Renaud Ponce est excusé et a donné pouvoir à Marie Soubranne. Marie Soubranne doit arriver. Hervé Boulet. Présent. Sandrine Cordier est excusée et a donné pouvoir à Catherine Valdener. Johan Lagier. Présent. Maud Gadet. Marie Xosa Françoise est excusée et a donné pouvoir à Annie Assier-Conversé. Natalia Sertour est excusée et a donné pouvoir à Thomas Schwartz. Solange Michel. Présent. Thomas Schwartz. Présent. Aïcha Chérif. Aurélie Poyot. Gabriel Léon est excusée et a donné pouvoir à Aurélie Poyot. Et Francine Dardenne. Présent. Merci à tous. Merci. Le quorum étant atteint, la séance du conseil municipal est ouverte. Mesdames et messieurs les maires adjoints, mesdames et messieurs les conseillers, j'ai souhaité réunir le conseil municipal de manière extraordinaire pour soumettre à votre vote et vous présenter le projet extrêmement structurant, majeur pour notre ville du Parc des Sports. Mais tout d'abord, si vous me le permettez, je voudrais tout simplement, juste en votre nom, rendre un hommage très simple à M. Bernard Forbrack, dont les obsèques ont eu lieu aujourd'hui, et dire à la fois à ses proches, à sa famille, et puis à toute la famille du Bac Hubert, si tu me le permets de le dire de cette manière, Eric, nos plus sincères condoléances. Il fut un élu de la ville de Briançon il y a quelques années. Je voulais tout simplement lui rendre hommage. Voilà, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour adopter, je l'espère, l'un des projets les plus importants de la mandature et aux côtés de la cité administrative que nous portons avec la communauté de communes et qui représente ce que sera la ZAC des quartiers du 15-9 demain, le Parc des Sports aujourd'hui, sa modernisation, et un projet extrêmement structurant et majeur pour notre ville. Je voudrais en dire quelques mots avant que nous rentrions dans le détail du projet qui vous est présenté, mais pourquoi nous avons voulu faire cela ? Pour la population et pour l'ensemble de nos clubs, nous avons la chance d'avoir une ville avec un tissu associatif, sportif, d'une richesse absolument incroyable, que je pense beaucoup de villes nous envieraient. Et nous voyons bien et nous ressentons tous que nous avons des infrastructures qui sont désuètes et depuis bon nombre d'années. On a un terrain de football sur lequel on n'a pas vraiment envie de voir nos enfants jouer au football. Des vestiaires, toutes compétitions confondues, dans laquelle on peine à avoir autre chose que de l'eau froide, une piste d'athlétisme qui n'est pas vraiment une piste d'athlétisme, des gymnases qui sont surchargés malgré leur nombre, et on voit bien les besoins, que ce soit pour nos collégiens, nos lycéens, ou que ce soit pour l'ensemble de nos clubs. Et au milieu de tout cela, un parc des sports d'une superficie extraordinaire, puisque toutes les villes de France n'ont pas la chance d'avoir un tel plateau sportif, d'une telle taille, d'une telle ampleur, accessible en bordure de route nationale, en entrée de ville, idéalement situé, ensoleillé, à quelques minutes à peine du départ des pistes de ski de Serre-Chevalier, mais pas celles si loin non plus de celles de Montgenèvre. Et avec, ancré au milieu de tout cela, le centre d'oxygénation, cher Christian, héritage d'années où avait été pensée l'idée qu'à 1300 mètres d'altitude, on devait percevoir et penser le sport autrement. Et finalement, nous nous apercevons que ce qui a été le centre médico-sportif et les prestations extrêmement innovantes à l'époque, cher Richard, exactement, qu'elle a développées dans les années, au début des années 90,
Aujourd'hui, on voit bien que on a des machineries, des outils qui aujourd'hui ne nous permettent plus d'être au niveau. Et on voit bien finalement que globalement, la désuétude du site, de nos infrastructures, ne nous permette plus d'être au rendez-vous des ambitions que nous pouvons légitimement nous fixer. Et je fais partie des gens qui pensent, et c'est pour cela que notre majorité s'était engagée très fortement là-dessus, que la chance incroyable qu'a notre ville de Briançon, c'est d'être une ville au cœur d'une vallée, au cœur de stations de ski. Ce n'est pas qu'une ville-station, chacun le sait. C'est son patrimoine incroyable, inscrit à l'UNESCO. C'est le tourisme donc hivernal, mais aussi estival, à proximité du parc national des Écrins et du parc régional du Queyras. Mais c'est aussi la capacité d'accueillir toute saison des personnes, des sportifs de haut niveau, mais aussi des espoirs, des étudiants qui veulent, dans des disciplines individuelles ou collectives, s'entraîner, s'acclimater à l'altitude et bénéficier d'un cadre exceptionnel comme le nôtre pour pouvoir, tout au long de l'année, tout au long de la saison, pratiquer leur discipline, s'entraîner et avoir aussi un suivi médical détaillé de tout cela. La genèse du projet que nous présentons ce soir, elle est là. Et c'est pour cela que nous avons immédiatement, dès notre élection, enclenché un certain nombre de décisions qui, aujourd'hui, trouvent leurs fruits. Et à un peu plus d'un an et demi de mandat seulement, je crois que vraiment, on peut se réjouir que ce travail porte ses fruits, puisque nous avons mené tambour battant cette démarche de jury de concours, qui, je crois, a porté ses fruits, puisque nous avons eu des projets extrêmement différents qui nous ont permis de faire des choix vraiment pensés, structurés. Et tout cela nous amène aujourd'hui à avoir ce projet qui, je crois, répond à l'ensemble des attentes. Et nous le présenterons aujourd'hui, mais c'est un projet qui va nous permettre déjà d'investir à la hauteur de ce que nous avions imaginé, je vais y revenir, qui va nous permettre de nous doter des infrastructures nécessaires aux besoins que nous avons identifiés, et en plus de cela, de les phaser, puisque nous pénaliserons le moins possible l'ensemble des activités en opérant un phasage des travaux entre la partie haute et la partie basse du espace des parcs des sports, puisqu'il s'étendra, comme cela a été prévu d'ailleurs il y a une trentaine d'années, sur la partie haute, c'est-à-dire sur le plateau de Serginier. Et on le verra tout à l'heure, d'avoir vraiment une cohérence, mais aussi un phasage des travaux. Tout ça s'inscrit, je le rappelle, dans une dynamique qui est celle de Paris 2024, des Jeux Olympiques que notre pays a tant voulu et qui nous donne aujourd'hui la fierté d'être terre de jeux, centre de préparation aux Jeux Olympiques. Ce n'est pas rien. C'est pour ça que nous avons accéléré spécifiquement sur la structure en dur du mur d'escalade des Jeux Olympiques et que l'ensemble de ces décisions, dont la première était, je le rappelle, elle avait fait polémique à l'époque, on peut maintenant, je crois, en parler de manière beaucoup moins polémique justement, était de rapporter le projet de salle omnisport, de gymnase, de halle sportive, de la ZAC des quartiers du 15-9 vers le parc des sports, ce qui nous a permis d'agrandir la taille du parc de la ZAC devant ce qui est devenu aujourd'hui le marché. Et l'ensemble de ces décisions, aujourd'hui, on s'aperçoit, je crois, de leur cohérence. C'est-à-dire, du côté de la ZAC, construire ce marché couvert, agrandir ce parc, faire la cité administrative, tout cela est en travaux, ça verra le jour dans les 2 ans qui viennent, pour pouvoir, sur le parc des sports, avoir un équipement qui prend toute sa cohérence avec, vous le verrez, une vraie place des sports et un gymnase qui peut servir en même temps de vestiaire, ce qui permet de ne pas construire de nouveaux vestiaires et d'avoir un projet, je le précise aussi, et on en touchera quelques mots importants aujourd'hui, un projet à haute qualité environnementale, puisque nous avons choisi le projet qui permet de souffrir le moins de l'imperméabilisation des sols, puisque c'est le projet le plus compact de gymnase, puisque c'est le projet qui, justement, je le répète, nous permet de ne pas construire d'autres bâtiments à côté, avec les vestiaires, etc. Donc, on rend aussi une partie de surface artificialisée, et je crois que l'impératif environnemental, on doit tous l'avoir en tête sur ce type de projet qui sont des projets d'envergure. Et puis, de la même manière, l'usage, vous le verrez, de matériaux biosourcés et beaucoup de bois et avec une architecture qui, je l'espère, conviendra à toutes et tous, mais que nous avons voulu se rapprocher le plus de la montagne.
Tout cela, et je vais essayer de ne pas être trop long, mais je voudrais tout de même vraiment insister sur le détail des chiffres, c'est 6,9 millions d'euros qui seront investis pour la halle des sports, le nouveau terrain synthétique, la piste d'athlétisme d'un côté. De l'autre côté, puisqu'il y a deux maîtrises d'œuvre différentes, c'était pour aller plus vite et être à l'heure pour le rendez-vous de la préparation aux Jeux Olympiques, 1,4 million pour le mur d'escalade et le nouveau terrain de rugby. Et donc aujourd'hui, finalement, c'est l'engagement, la concrétisation d'un peu plus de 8 millions d'euros d'investissements qui vont servir l'économie locale, qui vont servir nos pratiquants, qui vont servir l'ensemble de celles et ceux qui viendront visiter le territoire et pour lequel nous avons déjà acquis plus de 5 millions d'euros de subventions. Avec un engagement extrêmement fort de la région, et je veux saluer l'engagement à nos côtés du président Renaud Muselier, qui a immédiatement identifié l'idée que nous pouvions faire de Briançon l'un des pôles d'altitude dans la région sud, et qu'avoir un pôle sportif d'altitude dans la région sud, c'était quelque chose de stratégique pour l'ensemble du monde sportif de notre région, qui, je le rappelle, qui plus est candidate à l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver. Et grâce aussi au travail que nous avons fait, qui nous permet aujourd'hui de positionner la modernisation du parc des sports dans le contrat d'avenir, qui est, je le rappelle, le nouveau contrat de plan État-région, à plus de 2 millions d'euros. Et ça, c'est des engagements à la fois de l'État et de la région qui sont extrêmement importants et qui placent surtout, qui donnent une importance toute particulière à ce projet. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le projet, dans sa globalité dont nous décidons aujourd'hui, c'est un peu plus de 3 millions d'euros d'engagement net pour la ville, pour son propre budget, c'est-à-dire finalement à peine 3 millions sur plus de 8 millions qui seront investis, 3 années budgétaires, 3 exercices budgétaires jusqu'à la finalisation des travaux, c'est-à-dire finalement 1 million d'euros par an à supporter sur le budget municipal, ce qui est très largement à notre portée. Et si on raisonne sur la durée finalement de l'amortissement et des emprunts qui pourraient être faits, etc., au final, sur 20 ans, c'est quelque chose comme 170 000 euros par an, et dans 20 ans, ce parc des sports, il sera toujours là. Donc finalement, ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est un investissement pour nos nouvelles générations. Voilà, c'est un investissement essentiellement tourné vers l'avenir, qui nous verra nous doter, nous qui fûmes la ville la plus sportive de France, d'équipements à la hauteur de ce qu'elle souhaite être, de ce qu'elle souhaite redevenir, une ville fondamentalement tournée vers le sport, mais tournée aussi vers tout le bassin de vie, c'est-à-dire une ville qui accueille dans sa région, dans son territoire, toutes celles et ceux qui se disent « c'est ici que je dois m'entraîner, m'oxygéner ». Et je terminerai en disant un mot du projet Connex qui constitue la deuxième délibération, qui est le projet Sport Santé, pour lequel nous signons aujourd'hui et nous adoptons une convention avec le centre hospitalier et avec Ronazur. Et ce point-là, je crois qu'il est fondamental, parce que je l'ai dit tout à l'heure en évoquant l'historique de ce dossier du Sport Santé, et je voudrais, en le rappelant, saluer l'engagement des médecins. Parce que ce sont les médecins, et on peut citer le docteur Rizzo et le docteur Daolena, qui sont principalement à l'initiative de ce sujet, et qui ont dit « il faut qu'on fasse du sport santé ». Et nous nous sommes immédiatement positionnés, nous, villes, en disant « si on fait du sport santé grâce au plateau qui existe à Ronazur, dans le nouveau site de Ronazur, si on en fait parce qu'il y a la proximité maintenant entre l'hôpital et Ronazur, il faut qu'on le fasse aussi ». En intégrant le projet du parc des sports. Il faut qu'on refasse du centre d'oxygénation, du centre médico-sportif, l'endroit aussi où ça va se passer. Pourquoi ? Parce que nous allons investir aussi un peu pour rénover le CMS, qu'on va y faire réhabiliter cette pièce qui était désuète avec ses équipements qui sont un peu désuets pour faire deux cabinets médicaux qui permettront des permanences. Quand des clubs, des équipes seront sur le parc des sports, on pourra avoir des permanences médicales. Et puis surtout, c'est toute une chaîne vertueuse que nous créons avec les professionnels de santé, la médecine hospitalière, la médecine de ville, la ville de Briançon et l'ensemble de ses structures, le service des sports, pour être en capacité de commercialiser tout cela. Ce n'est pas un gros mot que de dire que demain, quand on ira contacter des fédérations sportives, des clubs, on pourra leur dire tout cela. On a un hôpital, on a Ronazur, on a des structures de santé, je ne vais pas toutes les citer, mais elles y participent, de cette qualité de soins et de santé dans notre territoire. On a une permanence médicale sur site, on a les équipements, nous investissons aussi et nous allons investir aux côtés de l'hôpital qui a, sous mon impulsion, décidé de mettre une partie d'investissement là-dessus, puisque nous avons décidé d'aller au bout du sujet, c'est-à-dire de ne pas s'arrêter uniquement aux tests d'effort,
d'aller jusqu'à la machinerie qui nous permet de faire de la résistance à la haute altitude. On est un territoire de montagne. On a les piolets d'or. On a parmi les plus grands alpinistes au monde qui sont dans le Briançonnais. Donc, on a aussi celles et ceux qui, demain, feront des expéditions et qui doivent s'entraîner aussi à la haute altitude. L'idée, vous l'avez compris, c'est de rassembler dans une synergie toutes celles et ceux qui sont les acteurs du sport à travers le sport et la santé, le sport et l'économie, le sport et l'amateur, le sport et le professionnalisme, le sport et l'associatif. Aujourd'hui, je crois que notre ville, elle retrouve quelque part une partie de sa vocation. Elle l'avait délaissée. C'est un investissement qui est fort, qui est important. Je crois que les choix que nous vous présentons aujourd'hui, à l'épreuve des faits, sont les meilleurs que nous puissions faire. Ce projet, il sera amené à vivre, naturellement. C'est le principe d'un jury de concours, on choisit un projet. Derrière, on y travaille. On n'est pas encore au dépôt du permis de construire, cher André Martin. Mais nous allons y travailler avec chacune et chacun d'entre vous, avec les clubs sportifs, avec l'ensemble des pratiquants, pour que ce projet, jusqu'à ce qu'il sorte de terre dans les mois qui viennent, il soit le plus abouti possible. C'est en tout cas, je le crois, pour cette mandature, et je l'espère pour notre ville, un jour et un vote important auquel je vous invite, mesdames et messieurs les conseillers municipaux. Je ne serai pas bien plus long, et j'ouvre immédiatement le conseil municipal en vous demandant s'il y a des prises de parole liminaires avant d'examiner l'ordre du jour. Y en a-t-il ? Je note, pardon, avant que vous me posiez la question, qu'il y a une motion dûment déposée, qui est la même que celle du dernier conseil, mais qui sera donc examinée et donc soumise au vote à la fin du conseil, puisqu'elle a été dûment déposée, Madame Dardenne. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je vais ouvrir l'ordre du jour et vous demander s'il y a des remarques sur le compte-rendu du dernier conseil municipal. S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Il est adopté. Et vous demandez s'il y a des questions sur le compte-rendu des décisions du maire, et s'il n'y en a pas, le mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Il est adopté. Et je vais immédiatement vous proposer d'examiner la convention que nous signons donc avec le centre hospitalier de l'Escartan du Briançonnais, l'UGCAM et le CIPA. J'en ai dit quelques mots, mais vous l'avez compris, l'idée, elle est double. Un, avoir deux permanences de site, c'est-à-dire le pôle hospitalier, hein, il y a le plateau sportif de Rhône Azur, mais on va dire plus globalement le pôle hospitalier, puisque en faisant un certain nombre de ces examens, de ces tests, il est toujours bon d'être à proximité à la fois d'un hôpital et d'un site dans lequel on peut faire tout geste médical nécessaire. Mais vous l'avez compris, l'idée de marcher sur nos deux jambes, avec l'idée de redonner vie aussi à cet aspect médical sur le parc des sports, à ce stade, et tel que le prévoient les médecins, c'est pas moins dans un premier temps de 420 examens qui seraient prévus chaque année, qui seraient dans un premier temps 420, et qui seraient divisés globalement entre trois branches, pour être très simple. La médecine de ville, d'un côté, qui peut être amenée à prescrire un certain nombre d'actes, on l'estime à peu près 150 par an à ce stade. La filière purement pneumo, avec probablement aussi des partenariats à construire, notamment avec les Acacias et avec l'ensemble des médecins, des praticiens autour de la pneumo, qui est un sujet, on le sait tous, très important pour nous. Je le dis d'ailleurs, peut-être que dans les mois qui viennent, nous verrons émerger des sujets sur lesquels notre territoire devra se positionner. Je pense notamment à l'ensemble des sujets qui auront attrait au Covid long, sur lesquels on ne sait pas encore grand-chose, mais sur lesquels, en tout cas, nous, nous avons probablement les structures qui peuvent répondre à quelques attentes. Peut-être ce seront des sujets d'avenir. Je rappelle que le sport santé, ce n'est pas que le haut niveau, bien entendu, c'est aussi le bien-vivre et la rééducation. Et tout cela, c'est une vocation importante dans notre territoire. Et puis derrière, on estime, au moins dans un premier temps, et je pense que nous le sous-estimons, à entre 120 et 150 examens liés au niveau et au centre d'oxygénation. Je pense que nous le sous-estimons un petit peu parce que entre les filières que nous avons d'excellence, bien entendu, au lycée, les clubs, et la manière dont, je pense, l'activité va se développer avec, naturellement, les infrastructures telles qu'elles vont se développer, je pense que très rapidement, nous pourrons viser un modèle, si j'ose dire, qui prendra toute son ampleur. L'idée, vous l'avez compris, elle est extrêmement simple. Un certain nombre de médecins dédiés, mais qui sont en lien avec l'ensemble des praticiens, autant de la médecine de ville que de celles et ceux, clubs, athlètes, etc., qui voudront venir ici. L'équipement médical, et notamment
en termes de machinerie nécessaire pour procéder à l'ensemble de ces tests. Je rappelle que Rhône Azur est déjà très bien doté et je voudrais à nouveau me féliciter et vraiment remercier Cyril Faure, le directeur de l'UGCAM et l'ensemble de ses équipes de la relation vraiment de confiance que nous avons noué depuis maintenant un an et demi et qui nous permet d'avoir des résultats, je crois, importants sur un certain nombre de sujets. Et derrière, troisième point, vous l'avez compris, le centre d'oxygénation, que nous souhaitons être l'indépendant de ce projet pour créer vraiment un cercle vertueux, que ça soit pour les jeunes du lycée et des filières d'excellence, que ça soit pour nos clubs, que ça soit pour celles et ceux qui viendront s'entraîner ici et qui auront besoin d'avoir un suivi, qui auront besoin de suivre un test. Vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est le début d'une démarche. Je crois que l'important dans cela, c'est que tout le monde soit autour de la table. C'est le cas. Et je voudrais vraiment remercier à nouveau les professionnels de santé de l'hôpital et notamment les médecins qui sont à l'initiative de ce projet et se dire parfois que accompagner dans nos rôles d'élus, dans nos rôles d'administrateurs de collectivité, accompagner des initiatives individuelles nous permettent parfois de monter des beaux projets et de créer des cercles vertueux. Voilà, mesdames et messieurs, sur cette première délibération, je ne serai pas plus long, mais je vous laisse bien volontiers la parole. Madame Poyot. Oui, merci, monsieur le maire. On avait juste une interrogation dans l'exposé des motifs, puisque vous faites part de l'obsolescence hein, du matériel et du centre sportif, en expliquant qu'il y a qu'une vingtaine, qu'il ne sert qu'une vingtaine de fois dans l'année. Et du coup, on aurait aimé avoir des éléments plus concrets sur cette vingtaine de fois dans l'année. Qui utilise 20 fois dans l'année cette structure, sachant que... Aujourd'hui, on sait que les élèves de classe sportive, que ce soit du collège, du lycée ou du CIE, vont dans cette structure. Donc voilà, on voulait comprendre comment vous aviez calculé cette vingtaine de fois. Oui, Madame Poyot, en fait, c'est une vingtaine d'examens médicaux poussés, parce que bien sûr qu'au niveau du centre médico-sportif de Briançon, on a, comme vous le dites, 137 classes de sport, donc notamment le ski, le canoë-kayak, le hockey, le snowboard, qui font des visites médicales. Donc il y en a 137 à ce jour. On a aussi le suivi du CIE. Là, pour le coup, c'est aussi des visites médicales pour 97 enfants, jeunes sportifs qui sont donc issus à la fois... des athlètes du ski alpin, du ski de fond, de l'escalade et tout récemment du snowboard. Merci. Et puis aussi, on a encore 137 visites médicales qui sont faites pour les professionnels des poids lourds et aussi des transports en commun. Les 20 dont monsieur le maire parle, c'est vraiment des tests à l'effort qui sont faits régulièrement. Mais par contre, voilà, effectivement, le matériel est tellement désuet que il faut prendre des photos, les envoyer au médecin. Et bon, voilà, c'est vraiment, vraiment très compliqué maintenant. Oui, pour compléter, Aurélie, Patrick Bertrand ne me démentira pas. Il y a une trentaine d'années, quand a été créé le CMS, les groupes sportifs, les régionaux, locaux, nationaux venaient à Briançon parce qu'il y avait un centre médico-sportif. Il n'est pas forcément, et heureusement d'ailleurs, pour le terrain de foot ou le terrain de rugby et la piste d'athlétisme. On arrivait déjà à cette époque-là à récupérer des clubs professionnels de D2, de D3, de football, de rugby, qui venaient pour les tests à l'effort et pour le suivi médical. Il est bien clair que maintenant, avec la concurrence de Tignes, de Font-Romeu, qui ont quand même évolué plutôt positivement dans la qualité de leurs équipements, si on ne se met pas au diapason, bien sûr, à ce jour, on va avoir l'équivalent d'une vingtaine de tests, et c'est très compréhensible, car on ne vient pas ici spécifiquement pour faire des tests, et en plus, comme Patrick pourra éventuellement vous le dire, le matériel est plutôt obsolète. Madame Dardenne. Donc, pour mieux comprendre, les 420 examens dont vous parliez, monsieur le maire, se rajouteront aux 137-97 dont vous venez de nous parler ou ça sera compris? Je n'ai pas compris le chiffre 137-97 dont vous me parlez. C'est les visites médicales, ça. C'est les visites médicales. C'est pas...
C'est pas les examens. Voilà. À partir du moment, Francine, à partir du moment où tu vas accueillir des équipes d'athlétisme, Patrick ne me démentira pas, des équipes de football, de grands stades ou de gymnase, il va de soi que le nombre de visites va forcément augmenter. C'est clair. L'idée de ce cycle et de ce projet Sport Santé, donc je citais le chiffre de 420, c'est le chiffre qui, à ce stade, est arrêté comme projet. Il y a forcément une idée un peu de modèle économique, parce que derrière, des actes médicaux, ils sont tarifés. Je rappelle qu'il y a des prescriptions et des ordonnances, en l'occurrence, pour aller passer ce type d'examen que tout un chacun peut avoir, parce qu'il a un projet personnel, sportif, et qu'il a besoin à un moment de s'évaluer, de se tester, et de vérifier s'il est en bonne santé avant d'aller faire un trek ou que sais-je. Donc à ce stade, l'idée, vous l'avez bien compris, c'est à peu près un tiers entre la filière pneumo, la médecine de ville et l'aspect SIPA. Et je prends le pari qu'on développera l'aspect centre de préparation à l'altitude assez rapidement avec le développement des infrastructures. C'est le pari que nous faisons. Et je pense que si on arrive à avoir dans les années qui viennent un projet sport santé qui nous permet d'avoir 600, 800 ou peut-être 1000 actes médicaux par an sur ce type de projet, ça nous permettra vraiment de structurer une filière. Et je crois que c'est important parce que derrière, ça peut amener vraiment à un suivi médical, à des études, à de la recherche. Et je crois que c'est vraiment, s'il y a bien une spécificité que nous pouvons développer dans notre territoire, c'est celle-ci et elle servira tout le monde, que ce soit la médecine de ville ou hospitalière ou bien entendu toutes les structures sportives qui vont avec. C'est un vrai signal, je crois, que nous envoyons aujourd'hui. Pour info, Francine, puisque vous posez la question, en 91 ou 92, Patrick, tu me redonneras éventuellement la date. Exemple, un stage d'arbitre de hockey sur 3 jours, c'était 90 visites. Voilà, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Il n'y a pas d'autres prises de parole, mesdames et messieurs. Je vais donc mettre la délibération concernant le projet Sport Santé et le partenariat avec le centre hospitalier aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il est adopté, je vous remercie. Et l'ordre du jour appelle le projet de modernisation du parc des sports et la désignation du lauréat de concours restreint de maîtrise d'œuvre. Très concrètement, nous allons donc vous présenter le projet qui a été sélectionné par le jury. Je le rappelle tout de même pour que chacune et chacun comprenne comment cela se déroule. Nous avons lancé un jury de concours qui est composé d'élus de la majorité et de l'opposition et qui est composé aussi de personnalités qualifiées nommées par l'État. Ce sont principalement des architectes qualifiés pour participer à ce type de concours. Ce jury a, dans un premier temps, il y a quelques mois, sélectionné parmi une cinquantaine d'architectes et de cabinets d'architecture qui s'étaient proposés, 3 candidats parmi ceux-ci admis à concourir et à présenter un projet. Et ces 3 candidats ont eu plusieurs mois pour préparer un projet. Et c'est celui que nous présentons aujourd'hui qui a été sélectionné par le jury et que nous allons donc vous présenter. La parole est à Christian Julien et s'il veut bien, peut-être que je le ferai un peu à deux avec lui et uniquement par plaisir. Merci bien, monsieur le maire. De toute façon, vous avez déjà beaucoup présenté ce dossier qui est très complet. Juste pour vous dire que la municipalité rend compte ce jour de la réponse au concours de maîtrise. Ce projet, donc, a été. Il y a 3 projets qui ont été déposés le 17 mars 2022. Le premier, donc, c'était Cabane Partenaire, Marciano Architecte et Perret Architecture. Donc on vous demande bien sûr de valider les 3 projets qui ont été déposés et puis de désigner le lauréat de concours qui a été donc voté à l'unanimité, notamment Cabane Partenaire, le groupement de mandataires, et co-traitant de groupement Chaban Ingénierie et Salto. Voilà, d'approuver bien sûr l'ensemble du développement du parc des sports. Donc il y aura sur le plan les plans provisoires, peut-être qu'on va les montrer. Hein? Pardon? Donc les plans provisoires du gymnase ont fait l'unanimité, notamment grâce à la création de lieux de convivialité en parallèle avec les espaces sportifs. Le premier espace au vent du gymnase. Le deuxième espace, c'est une terrasse extérieure située sur les locaux techniques, avec une vue panoramique sur l'équipement de sportifs de grands jeux du parc des sports. Et le troisième espace, c'est une en haute tribune qui domine l'espace de jeu du gymnase et permet de créer un lieu de convivialité et de restauration.
ça vous est présenté actuellement. Donc là, on voit un petit peu l'architecture globale de ce gymnase, donc qui reprend bien sûr une architecture montagnarde avec beaucoup de bois, comme vous pouvez le voir. Donc c'est d'ailleurs ce qui a séduit le jury. Et puis notamment, c'est ce qu'on disait, l'espace convivial, c'est la partie qui est à droite du gymnase, qui surplombe donc la partie technique et les vestiaires des joueurs des grands jeux d'extérieur. Et derrière, tout ça est lié avec une passerelle au milieu qui permet de pouvoir lier les deux espaces, l'espace bas du parc des sports et la place des sports, qu'on appellera la place des sports. Alors bien sûr, tout ça n'est pas encore complètement finalisé. Hein. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que l'architecture du gymnase, pour lui, est finalisée complètement. Et donc, il y a une traversée qui peut remonter au niveau de l'esplanade Saint-Ginier, où il y aura donc le terrain de rugby et la SAE, donc la structure artificielle d'escalade. Voilà, monsieur le maire, si vous voulez peut-être en dire un peu plus. Peut-être juste vous dire quelques mots qui nous ont apparu pendant le jury important. Le premier, c'est vraiment que le positionnement du gymnase, qui sera, vous l'avez compris, sur l'emplacement du terrain de football actuel, permettra, tel qu'il a été pensé, de faire la liaison entre la partie haute et la partie basse. C'est-à-dire qu'on pourra autant rentrer dans la halle multisport par ce qui va devenir la place des sports, qui est actuellement... en réalité, l'espace qui permet d'accéder à la patinoire et l'actuel terrain de foot. Mais on pourra aussi y accéder par ce qui sera le futur terrain de rugby et la salle d'escalade sur le plateau de Serginier. Ce qui veut dire que comme en plus de cela, on aura une mutualisation des vestiaires dans cette même halle, on pourra accéder aux vestiaires et donc au terrain d'un côté comme de l'autre. Il y a une liaison qui a été pensée qui permettra de faire la liaison entre la partie haute et la partie basse. C'est important parce que c'est aussi l'accès au centre d'oxygénation et ce sera l'accès à tout l'ensemble de la partie tribune qui permettra d'assister tout simplement aux rencontres, aux matchs et aux disciplines. Et je crois cet espace pensé comme une grande terrasse de convivialité qui me semble extrêmement intéressante parce que c'est aussi la vie du parc des sports et on sait que les beaux jours arrivent et on a... très souvent des week-ends où on a beaucoup de compétitions différentes au même moment et le même jour. C'est accessoirement, je me permets de le dire et de le souligner, mais j'essaie toujours d'avoir aussi cette préoccupation qui est celle du travail quotidien de nos agents, mais c'est aussi des locaux, des outils de travail rénovés pour l'ensemble de nos agents et qui pourront utilement travailler au quotidien sur le parc des sports. Et peut-être juste pour le redire et pour résumer, vous l'avez compris, que chacune et chacun ait bien en tête le détail du projet. Ce sont donc, dès la fin de l'été, la première partie qui commencerait, c'est-à-dire le mur d'escalade et par la suite le terrain de rugby. Ça, c'est la première phase de travaux qui vont démarrer dès la fin de cet été et qui nous permettront en réalité à la fois d'avoir ces équipements en premier... C'était essentiel pour la préparation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. On va accueillir des grimpeurs du monde entier que nous recevons déjà pour les mondiaux. Je rappelle par la même occasion, je l'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je voudrais tout de même le redire, puisque c'est tout de même un peu symbolique en ce moment, que les championnats du monde junior d'escalade qui devaient se tenir en Russie, j'ai proposé, à côté des organisateurs, que nous soyons candidats pour être la candidature française et récupérer les championnats du monde junior l'année prochaine. Je crois que ce serait encore une réussite supplémentaire si nous y arrivions pour à nouveau être cette terre d'escalade et cette terre de jeu. Donc première phase du parc des sports, c'est la partie haute, qui nous permettra, à l'issue de cette phase de travaux, d'avoir en plus un terrain de rugby végétal qui pourra servir dans un premier temps pour le foot et pour le rugby, pendant que nous entamerons les travaux de la partie basse, c'est-à-dire avec un an de décalage en 2023, pour entamer la partie gymnase et la partie terrain synthétique et piste d'athlétisme, qui nous permettra, vous l'avez compris, de terminer tout cela en 2024 et d'avoir un équipement complet. On a encore des réflexions à mener. Je rappelle que l'ensemble du parc des sports va aussi faire l'objet d'un certain nombre d'investissements. Le skatepark est en cours de création. Il y a le sujet du groupe froid de la patinoire
qui est dans notre plan pluriannuel d'investissement. Il a été tant et tant de fois repoussé qu'il va, il faut faire ses travaux. Nous avons commencé à y travailler pour qu'il puisse démarrer l'année prochaine avec l'ensemble des clubs, et ce ne sera pas sans difficulté, notamment pour le patinage et pour le hockey sur glace, bien entendu. Mais tout cela, c'est vraiment l'idée d'avoir en fin de mandat un parc des sports entièrement modernisé, renouvelé et qui soit pérenne pour de nombreuses années. Donc voilà ce que je pouvais dire de ce projet. J'ai dit un mot tout à l'heure des aspects environnementaux, je voudrais juste le redire, mais c'est vraiment pour nous une préoccupation importante, que ce soit sur l'usage des matériaux, sur le bois, sur l'architecture, sur l'impact, notamment sur les sols et leur imperméabilisation. On a aujourd'hui un bâtiment qui est le plus compact, et je crois que tout cela nous mène à un projet qui est à la fois extrêmement ambitieux, respectueux de l'environnement, et permettez-moi de le dire, c'est un beau projet. Voilà. En remerciant, je voudrais juste à nouveau le dire, l'engagement à la fois du président de région à nos côtés et bien entendu du département, puisque aujourd'hui c'est aussi le programme Terre de Jeux qui nous permet, dans le cadre des Jeux Olympiques, de financer ces investissements. Et ça me permet par la même occasion de saluer l'arrivée dans la salle de Madame la vice-présidente chargée des sports du département des Hautes-Alpes, chère Marine Michel. Mesdames et messieurs les conseillers, vous avez la parole, chère Yoann Lagier. Bonsoir à tous. C'est juste pour rajouter, du coup, quand on a lancé le concours avec les différentes personnes, on a vraiment insisté au niveau des architectes, avec la suite à la demande des différents clubs, de cet espace qu'on voit à droite, qui va vraiment être un espace d'accueil où on se rendait compte, en échangeant avec pas mal de clubs et de présidents de clubs, qui pouvaient avoir des fois des compétitions au même moment sur le parc des sports, mais qui n'avaient pas de réel échange. Je pense que c'est ce qui est ressorti de pas mal de réunions. Et les clubs n'échangeaient pas forcément très souvent ensemble. Donc là, cet endroit, c'est vraiment le but de vouloir créer un vrai moment d'échange, que ce soit en compétition, en stage ou même au quotidien avec les lycéens qui pourraient rencontrer des clubs ou des pratiquants, de donner l'envie aux autres. Donc là, voilà, on essaye en tout cas avec ce projet de vraiment mettre le lien social au milieu de tout ça via ce nouveau parc des sports. Merci beaucoup, cher Yoann. Y a-t-il des prises de parole, des questions? Nous y répondrons bien volontiers. Madame Poyot. Merci. Vous avez dit en introduction, donc vous avez rappelé les chiffres, à savoir donc 6,9 millions pour le projet ici donc de gymnase, terrain synthétique, piste d'athlétisme. Vous avez rappelé les 1,4 millions pour le mur d'escalade et le terrain de rugby. Est-ce que vous pouvez nous donner le chiffre concernant la conception des espaces extérieurs ? Puisqu'ils n'apparaissent pas dans les documents que vous nous avez donnés. Non, pas à ce stade, puisque ça fait partie des travaux ultérieurs. D'accord. Donc pour le moment, on n'a pas encore la somme. Non, voilà. Tout à fait. OK. Donc ça, c'était la première chose. La seconde, c'est que, effectivement, même si, à titre personnel, j'ai assisté à l'ensemble des phases de concours, et nous saluons cette démarche qui a été vraiment très intéressante, hein, puisque d'abord un premier panel de 50 équipes et puis le choix de 3 équipes pour finalement se porter de manière unanime sur ce groupe d'architectes. Ce qu'on peut regretter, c'est que effectivement dans la délibération qui nous est proposée, on n'avait pas les plans, on n'a pas l'ensemble du détail financier. Et c'est vrai que notre groupe de Briançon Citoyenne, on a l'habitude de travailler d'une manière collégiale. Et je n'ai malheureusement pas pu présenter donc les trois projets. Je n'ai pas pu expliquer vraiment l'ADN de ce projet particulier, que je rappelle, j'ai voté à titre personnel lors de la commission. Mais voilà, malheureusement, comme je n'ai pas pu présenter à la fois les critères de qualité architecturaux, je n'ai pas pu présenter exactement, comme vous le dites, toute la démarche environnementale qui a salué dans ce projet, eh bien, notre groupe a décidé de s'abstenir quant à cette délibération. Merci. Merci, Madame Poyot. Écoutez, je ne peux que le regretter. Le jury, c'était le 6 avril. Vous y avez participé. Vous avez eu l'ensemble des documents. Vous le savez, comme moi, c'est des documents qui sont consultables en mairie, qui, pour des raisons de droit à la propriété intellectuelle des candidats non retenus, ne peuvent pas être envoyés. Et en tout état de cause, vous les avez demandés à mon cabinet il y a une heure. Donc je suis confus que dans les 21 jours qui ont séparé la date du jury, vous n'ayez pas trouvé le temps d'en discuter entre vous. Mais je regrette en tout cas votre abstention, puisque je crois que c'est un projet qui pouvait faire l'unanimité. Mais à chacun la responsabilité de ses votes. J'ai bon espoir que la majorité le vote à l'unanimité. Cher Patrick Michel.
Oui, non, juste pour revenir sur ce magnifique projet, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est cette esplanade devant le gymnase. Donc, on va vraiment avoir une place des sports. Alors, il faut encore qu'on... Peut-être faudrait-il que nous disions que nous l'appelons place des sports, mais sauf erreur de ma part, elle s'appelle déjà l'esplanade Jean-Marie Leblanc. En tout cas, ça fera des débats à la fois de géographie, de cadastre. Voilà, et puis je pense que c'est important d'avoir cet espace de sport et de convivialité. Et tout à l'heure, Johan parlait de lien social, mais je crois que c'est important aussi lien social sportif. Voilà, se retrouver entre sportifs. Et c'est vrai que cette place va être magnifique. Je vois même, moi, les étapes de la ville, faire des cours là-dessus. Donc, c'est vraiment un bel outil. Merci, je partage bien entendu tout cela. Et je le redis, c'est pour ça d'ailleurs que ce travail sur les espaces extérieurs doit être entamé. Il faudra qu'on trouve le juste équilibre. On a besoin d'avoir un endroit vaste pour organiser des grands événements sportifs, ou pas d'ailleurs. Mais depuis que le Champ de Mars a été fait tel qu'il a été fait, on le sait très bien, on ne peut pas faire de départ ni d'arrivée du tour. Donc il faudra penser à la fois à ce que cet espace de place des sports ou d'esplanade Jean-Marie Leblanc agrandi, si j'ose dire, puisse être à la fois un endroit végétalisé, un endroit pour les familles, un endroit de confort, du sport au quotidien, dans lequel je souhaite à titre personnel qu'on y voit beaucoup de végétation et qu'on ait vraiment un endroit extrêmement agréable, mais en même temps que la manière dont nous l'aménagions ne soit pas pénalisant si nous avions besoin d'utiliser la totalité de l'espace pour réaliser des grands événements, à commencer par exemple comme ce qui va nous arriver les 10, 13 et 14 juillet prochains, c'est-à-dire d'avoir une semaine entière dédiée au vélo et au Tour de France. Juste un petit mot, excusez-moi. Pour dire que jusqu'au prochain et premier coup de pelle, je pense que les Briançonnais auront du mal à croire à l'Arlésienne du parc des sports qui est l'objet de tant de discussions depuis 40 ans. Donc j'espère franchement qu'au mois de septembre ou octobre, dès le démarrage, 50 ans, hein, Patrick, tu me dis ? Bon, 50 ans. Donc jusqu'au démarrage, je pense qu'il y aura quelques doutes sur la réalisation de ce projet, mais c'est un projet qui va trouver le jour dans les mois qui viennent. Monsieur Schwartz. Merci, bonjour. Voilà, donc, juste pour dire en toute objectivité qu'on se réjouit de voter cette délibération ce soir pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que si nous avions été élus, c'était aussi dans nos papiers. Et à cet endroit, alors, le seul petit bémol, c'est le petit détail du pump tract. On va revenir dessus encore une fois, mais... Mais voilà, c'est pour Patrick. Ouais, voilà, tu vois. Donc voilà, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est un beau projet qui s'intègre vraiment bien dans le paysage avec un bâtiment HQE, ce qui est important. Et troisièmement, comme l'a dit Madame Pouillot, c'est un projet qu'on a voté à l'unanimité. On a vu les différents projets, différentes architectures, et c'est un projet qui a retenu l'attention de tous les élus, et voilà, ça c'était important de le dire aussi. Il y a juste deux points de vigilance sur lesquels on n'était pas revenu, dont on avait parlé. Il y a la couverture de la liaison qui, je crois, a un coût quand même peut-être important. Donc, bien faire attention à ce coup-là. Oui, tout à fait. Est-ce que cette option est retenue ou pas, finalement ? C'est notre souhait d'aboutir les négociations avec eux pour qu'on n'ait pas d'impact budgétaire sur ce point. D'accord. Et le raccordement au chauffage, qui n'était pas non plus prévu dans le projet. Tout à fait. Et disons qu'il était indiqué un raccordement au réseau général bois de la ville, et qui fera l'objet de débats, sans vouloir rentrer trop dans les détails, de débats généraux sur est-ce qu'il y a une extension ou pas du réseau de chaleur. C'est un sujet qui est encore en débat entre nous pour de multiples raisons
de négociation avec BBE, puisque comme vous le savez, nous ne sommes pas satisfaits d'un certain nombre de conditions tarifaires pratiquées par BBE à ce stade. Et deuxième point, on se pose éventuellement la question peut-être d'une boucle locale sur l'ensemble du parc des sports. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous souhaitons voir un mode de chauffage qui soit le plus écologique possible, et qu'à ce stade, je vous répondrai que l'ensemble des portes sont ouvertes et que nous comptons ouvrir ce débat dans les semaines qui viennent pour acter avant le début des travaux dans les 12 mois qui viennent la manière dont nous chaufferons ce nouveau bâtiment. Je rappelle aussi accessoirement qu'il y a une étude qui est en cours pour l'utilisation de la chaleur générée entre piscine et patinoire, et que tout ça va nous donner aussi des éléments de réponse techniques et énergétiques pour prendre des décisions. Y a-t-il d'autres prises de parole, mesdames et messieurs? Madame Dardenne. Oui, merci. En fait, moi, je me projetais sur après ces investissements. Ces investissements portés par la commune de Briançon, qui sont quand même des investissements importants, même si c'est largement subventionné. Du coup, est-ce que vous avez estimé le coût de fonctionnement? Et avec cette question, je me demandais, je m'interrogeais sur le fait qu'on aurait pu concevoir aussi cette conception, cette construction et du coup, pour l'avenir, l'entretien avec un rayonnement pour la communauté de communes, donc un transfert à la communauté de communes. Est-ce que vous y avez réfléchi? Madame Dardenne, vous êtes formidable. Parce que très sincèrement, venant de la part de celles et ceux qui ont fait la médiathèque, sans se poser une seule question, une seule fois, de combien de personnes il allait falloir embaucher et de la faire de manière communale sans l'intercommunaliser, sauf à nous dire, s'il vous plaît, faites pas l'inverse. Justement, tout à fait. Vous avez bien fait de me rappeler ça, parce que c'est effectivement en réfléchissant et en aux erreurs du passé, voilà, c'est bien. Des multiples interventions de Catherine Valdener, presque à tous les conseils municipaux, de nous rappeler que la médiathèque aurait pu être portée par la communauté de communes, que nous est venue aussi cette idée, pourquoi pas? Et du coup, je vous pose la question ce soir. Bon. Madame Dardenne, ne soyez pas plus royaliste que le roi en la matière. Je vous rappelle que la communauté de communes n'a jamais autant muté que ces deux dernières années. Elle n'a jamais autant pris de compétences et élargi le spectre de son action. Je vous rappelle qu'elle porte à titre administratif un petit projet à 14,5 millions d'euros. Donc je crois qu'il est plutôt sain que la ville s'occupe de son parc des sports et qu'elle assume sa dimension de ville-centre. Ce n'était pas non plus totalement inutile. Sauf à penser qu'il faille tout intercommunaliser dans notre ville, puisque globalement, elle ne sert qu'au reste des habitants du territoire. Je vous encourage d'ailleurs à tenter de vous présenter aux élections intercommunales avec ce type de projet. Je doute que vous arriviez à construire une majorité, puisqu'il faut tout de même avoir un petit peu d'équilibre envers nos collègues de l'ensemble de la communauté de communes. Non, plus sérieusement, et au-delà de ces conjectures, je crois qu'il est sain que la ville s'occupe de son parc des sports. C'est son histoire, c'est son parc des sports. Et tant mieux, je rappelle d'ailleurs que une partie de nos équipements sportifs, je pense par exemple au gymnase, sont aussi, quand il s'agit du collège, etc., départementaux, et que tout cela donne une connotation de territoire. Voilà, mais nous sommes la ville-centre, nous devons assumer un peu cela aussi, c'est pas plus mal. Donc, vous avez la parole à nous. La deuxième intervention, c'était concernant le devenir des jardins familiaux, puisque ça reste toujours d'actualité. Et je pense que vous avez avancé sur ce sujet. Nous avons avancé. Je suis désolé. Je sais toute l'affection que vous venez de nous démontrer pour Madame Valdener, mais c'est Monsieur Julien qui va vous répondre. Merci, Monsieur le maire. Oui, effectivement, on y a pensé, bien sûr. Donc, comme vous le savez, effectivement, ça va être ce projet, notamment de la SAE, qui est important, et du terrain de rugby, vont forcément impacter les jardins familiaux. En toute tête de cause, au jour d'aujourd'hui, les jardins familiaux représentent 2100 mètres carrés. Et nous allons aménager, avant même de faire quoi que ce soit, nous allons aménager toute la partie basse des jardins familiaux qui se trouve au bord de la route qui va vers le pas de tir. Nous allons les aménager pour pouvoir développer 1500 mètres carrés, pour pouvoir enfin
déplacer éventuellement ces jardins familiaux. Alors, il y en a d'autres aussi qui ne seront pas touchés, hein, qui sont derrière les maisons. Celles-là, on ne les touchera pas. Donc, ça, c'est la première phase qu'on va commencer dès la fin, dès 2022. Donc, après que ceux qui exploitent les jardins puissent l'exploiter, bien sûr, pendant le printemps, été et bien sûr l'automne. Donc on attaquera les travaux, voilà, pour que la récolte soit faite et qu'il n'y ait pas de souci de ce côté-là. Exactement. La deuxième phase, ça sera une phase de concertation avec eux, qui va prendre, on va dire, tout l'été. Déjà, ça a été un travail qui a été fait par Elisa Faure depuis très longtemps. On va continuer à les faire, et puis Christophe Hosty. Donc on va continuer à avoir cette concertation pour leur demander un petit peu l'aide qu'ils peuvent avoir, dont ils peuvent avoir besoin. Bien sûr, on mettra les services techniques à leur disposition s'ils doivent, je ne sais pas, déplacer des choses qui sont vraiment lourdes. Et donc tout ça sera une concertation qui sera tout au long de l'été. Ensuite, la troisième phase, on va commencer à développer aussi d'autres aménagements, puisque c'est une de vos idées et on trouve qu'elle était très bonne, donc on va aussi la développer, puisque derrière, il y aura des jardins familiaux qui vont être transférés au niveau des salettes. Et là, on va faire 20 parcelles de 60 mètres carrés. Donc 20 parcelles de 60 mètres carrés, ça fait 1200 mètres carrés supplémentaires qui vont être créés au-dessus du cimetière du Champ de Mars. Ça veut dire que, grosso modo, entre ce qu'on va enlever d'un côté, on va aménager donc les 1500 mètres carrés qui seront gardés au niveau du plateau de Serginié. Merci. Et on va rajouter donc 60 x 20, ça fait 1200 mètres carrés. Donc on va porter la totalité des jardins familiaux à 2700 mètres carrés, alors qu'aujourd'hui, nous n'en avions que 2100. Donc ça fait une 600 mètres carrés supplémentaires qu'on va proposer, bien sûr, à l'ensemble des Briançonnaises et des Briançonnais. Et d'ores et déjà, peut-être vous dire, puisque nous l'avons déjà plus ou moins annoncé, que des réflexions sont en cours pour tâcher de peut-être organiser et construire d'autres jardins partagés, notamment à Saint-Blaise et ou à Mas de Blé. En tout cas, c'est des études que nous allons entamer, tout simplement parce que nous pensons que c'est la ville et quartier et que ce serait de beaux projets. Voilà. Donc, en tout cas, nous lançons ces études. La parole est à Stéphane Simon sur ce sujet. Oui, en qualité de président des canaux de Fontenil, je vous confirme que réaliser des jardins familiaux dans des endroits distants et pas tous centralisés au même endroit représente que des avantages. Alors pourquoi des avantages? Parce que vous savez très bien que l'été ici fait chaud et qu'on n'a pas des orages tous les soirs et que les potagers ont besoin d'avoir un arrosage quotidien. Donc, quand on a centralisé quelque chose à Pont-Servière et qu'on habite dans la vieille ville, eh bien, effectivement, mettre des jardins familiaux aux salettes, à un des endroits les plus exposés au niveau soleil, si on peut les arroser tous les jours, c'est mieux. Et si on part de la vieille ville pour aller arroser aux salettes, on peut y aller à pied. Donc, c'est beaucoup plus adapté que tout centraliser au même endroit. Voilà. Merci. Et on l'a déjà dit, mais ça nous permettra en plus de remettre au goût du jour une ancienne source aux salettes. Ah oui. Vous savez que j'y tiens, c'est la source du Bon Repos, qui est une source classée sacrée à l'époque des Romains. Et cette source-là, c'est une source qui est sur le sentier qui monte à la Croix de Toulouse. Donc cette source-là était en désuétude depuis bien des années. On va en profiter pour récupérer cette eau-là pour alimenter ces jardins familiaux, qui auront un avantage parce que ça sera une source accessible bien au-delà de l'ouverture du canal Gaillard, qui est malheureusement un peu en aval, et qui permettra aussi de mettre un système pour pouvoir mettre des réservoirs, parce que vous savez que si vous voulez traumatiser les plantes par chez nous, eh bien, si vous les arrosez avec de l'eau qui arrive à 7-8 degrés, c'est le meilleur moyen de les traumatiser. Donc il faut plutôt stocker l'eau et la chauffer un peu. Et là, dans ces cas-là, c'est bien mieux pour le potager et les tomates sont plus grosses.
Je vais devoir, je crois, mettre un terme à cet exposé qui était pourtant absolument passionnant, monsieur Simon, mais qui nous permettra, je crois que pour votre première intervention en tant que conseiller municipal de la majorité, Nicolas Girardini. Fort bien. Allez, mesdames et messieurs, madame Dardenne, en tout cas, vous avez votre réponse sur les jardins familiaux. Y a-t-il, sur le projet du parc des sports, d'autres prises de parole avant que je ne le mette aux voix ? Il n'y en a pas, et donc de manière très solennelle, je précise juste oui, que Richard Nisbaum ne participera pas au vote pour des raisons personnelles. Ah oui, tout à fait, avec le pouvoir de Jean-Marc Iaponi, très bien. C'est noté au procès-verbal. Mesdames et messieurs, de manière très solennelle, je vais mettre aux voix le projet de modernisation de l'ensemble de notre parc des sports de Briançon. Y a-t-il des voix contre ? Il n'y en a pas. Y a-t-il des abstentions ? Il y en a 3 du groupe Briançon Citoyenne. Y a-t-il des votes pour ? Et le projet est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Merci beaucoup. L'ordre du jour est clos. Je vais passer la parole à Madame Dardenne pour qu'elle puisse à nouveau communiquer lecture de sa motion, que je mettrai aux voix juste après, et je me permets de vous donner rendez-vous ainsi que à l'ensemble des présidents et des acteurs de clubs sportifs qui nous écouteraient dans quelques minutes au centre d'oxygénation et aux côtés de notre ami Patrick Bertrand, que je vois déjà un peu ému, mais ça va bien se passer. Madame Dardenne, vous avez la parole. Oui, je vous remercie d'avoir accepté donc de pouvoir représenter cette motion. Qui malheureusement est toujours d'actualité, puisque la guerre en Ukraine est loin d'être terminée. Je ne vais pas vous relire cette motion entièrement. Je voudrais vous préciser que, notamment, Madame Pouillot et moi-même adhérons à l'Association nationale des villes et territoires accueillants, une association qui existe déjà donc depuis 4 ans, dont on a été à l'initiative et à la construction au niveau national. Et depuis le début de la crise en Ukraine, nous participons régulièrement, chaque semaine, à une réunion, notamment avec l'État, avec le préfet Joseph Simet, la DGEF, la DIAL, dans le cadre de cette cellule de crise Ukraine. Et dans ce qu'on appelle la Fédération des acteurs de la solidarité. Cela nous permet d'être au courant de ce qui se passe au niveau national, au niveau des villes et territoires accueillants. L'État considère vraiment l'association Le Land Vita comme une association vraiment partenaire, parce que c'est une association qui a maintenant une expérience avec des villes accueillantes qui, depuis 4 ou 5 ans, travaillent sur l'accueil des exilés. Et donc, c'est une véritable richesse de pouvoir participer à cette association et à ces échanges. Donc, il est évident que pour nous, à Briançon, si nous devons remercier très chaleureusement les initiatives privées, par rapport à la solidarité qui s'est formée par rapport notamment au conflit en Ukraine, à cette guerre en Ukraine, qu'on peut remercier aussi les bénévoles et les associations, les familles qui hébergent aussi des personnes exilées et des familles ukrainiennes. Il y en a très peu à Briançon. Nous sommes toujours très insatisfaits. Et on considère vraiment dommage de s'exclure de ces expériences, de cette dynamique par rapport à la solidarité et à la fraternité que l'on peut connaître dans ces villes. Et donc, nous voulions savoir, en fait, quelles étaient les initiatives de la commune aujourd'hui, de la municipalité, en dehors des collectes déjà organisées, notamment par rapport à l'hébergement des familles ukrainiennes. Et donc, par rapport à cette motion, je voudrais simplement vous relire, non pas l'entièreté de cette motion, mais ce que nous vous souhaitons, ce qu'on souhaite voir voter ce soir. Notre conseil municipal souhaite
appelé dans ces circonstances, on rappelle les circonstances de la guerre actuelle, donc dans ces circonstances à la raison et à un cessez-le-feu immédiat afin de protéger les Ukrainiens et les Ukrainiennes et mettre fin au conflit. Je pense que nous partageons tous ce souhait. Marquer notre respect et notre solidarité à l'Ukraine, à son peuple, à son président, Volodymyr Zelensky. Confirmer que notre ville s'engage dans toute forme d'aide et de soutien afin de collecter des dons pour l'Ukraine et les pays accueillants. C'est aujourd'hui un devoir et une urgence humanitaire. Notre conseil municipal souhaite appeler nos habitants à faire connaître aux services municipaux toute forme d'hébergement pouvant accueillir les Ukrainiens et Ukrainiennes qui arrivent et apporter aide, sympathie et soutien au peuple ukrainien. Notre conseil municipal demande à la Commission européenne d'accorder la protection temporaire à toute personne exilée sur le territoire européen et au gouvernement français de reconnaître le statut de réfugié à toute personne ayant dû quitter son pays pour des raisons de guerre, c'est chez nous aujourd'hui en Europe, et de conflits, de misère et de santé. Merci beaucoup de mettre cette motion en débat et aux voix aujourd'hui. Merci beaucoup. Bon, je vous l'ai déjà dit au dernier conseil, je ne vais pas y revenir ni provoquer ou entretenir une quelconque polémique ce soir parce que ce n'est pas l'objet du jour. Je ne partage pas cette motion, en tout cas pas en entièrement, si ce n'est que parce qu'elle est écrite en écriture inclusive et parce que je concilie un certain nombre de choses, naturellement, la solidarité avec les Ukrainiens, il va de soi que nous y associons comme l'ensemble du pays et l'ensemble d'ailleurs des peuples européens, un certain nombre d'éléments que vous annoncez ne me conviennent pas, donc tout simplement nous ne la voterons pas. Voilà, mais on peut pas la modifier ou en discuter. Non, mais éventuellement, peut-être au prochain conseil, vous proposer une motion de la majorité s'il était nécessaire. Mais en tout état de cause, voilà, je préfère vous répondre très simplement et ne pas faire de polémique sur ce sujet. Je vais donc la mettre aux voix. Y a-t-il des voix pour ? Il y en a trois. Y a-t-il des voix contre ? Je vous remercie des abstentions. Merci. La motion n'est pas adoptée. L'ordre du jour étant clos, je clôt le conseil municipal. Ben, trois voix pour. Allez-y, redites-moi les abstentions, par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 abstentions. Et donc, le reste, il suffit de faire la déduction. Voilà. Je vais juste dire une petite chose, parce que j'ai été un petit peu choquée par ce que vous avez dit, donc je me permets quand même de le dire. C'est que j'ai eu l'impression, pendant que vous parliez, que la ville de Briançon ne s'était pas du tout impliquée dans les... Donc, je tiens à dire quand même que la ville de Briançon a fait partie des premières à récolter des dons et à les envoyer, que nous avons quand même 6 camions qui sont partis, que la ville de Briançon travaille en étroite collaboration avec la préfecture pour justement le logement des Ukrainiens qui veulent loger sur notre territoire. Et donc, je ne pense pas que nous ayons de complexe à avoir là-dessus. Et en plus de ça, ce que je voudrais dire aussi aujourd'hui, en profiter... c'est de dire que les Briançonnais, dans leur grande majorité, ont été vraiment très, très présents pour le don, pour tous ces dons. Et que entre ce qu'ils ont donné et les bénévoles qui ont donné de leur temps, je crois que la ville de Briançon peut être fière. Merci beaucoup, Madame le maire. Excusez-moi, j'insiste dire que... Là, en l'occurrence, je prends la parole. J'insiste. Je vous rappelle qu'en conseil municipal... J'insiste. Je vous donne la parole après, mais vous ne me coupez pas la parole, puisqu'en l'occurrence, en conseil municipal, on demande la parole et on se la fait donner. Donc, j'en profite juste pour remercier Annie Astier de ses propos et dire qu'effectivement, oui, je confirme, les Briançonnais peuvent être fiers. Allez, un dernier mot, je vous rappelle que j'ai déjà clôturé le conseil, allez-y. Merci. Bien évidemment, j'ai jamais... Et nous n'avons jamais pensé que les Briançonnais, bien au contraire, les Briançonnais sont très accueillants, très solidaires, très fraternels. Très bien. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Merci. La question qu'on se posait, c'était par rapport à la municipalité. Merci. En dehors des collègues. Et je crois que ce débat a eu lieu. Déjà organisé. Merci. Le conseil. Madame Poyot, allez-y. Excusez-moi, je ne suis pas d'accord avec le décompte des voix, puisque vous avez compté 8 abstentions, mais oui. Me semble-t-il. Pas les pouvoirs associés aux abstentionnistes. Excusez-moi. Donc, du coup, donc j'aimerais bien avoir le total, s'il vous plaît, avec les abstentionnistes, comme le Chaud-Choir est abstentionniste, mais qu'il y a un pouvoir. Il y a 4 pour,
8 abstentionnistes qui ont levé la main, mais qui avaient des pouvoirs. Donc si on pouvait revoter avec les deux mains quand on a des pouvoirs... Non, on va vous donner le décompte, rassurez-vous, on est capable de faire. J'aimerais savoir si la motion, elle passe ou elle passe pas. Ben non, elle passe pas, madame. Ben je sais pas, j'ai pas... Eh ben moi, je vous dis qu'elle passe pas. On va vous donner le décompte. L'ordre du jour du conseil étant épuisé, je clôt le conseil municipal. Rendez-vous au centre d'oxygénation.